Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, ici à Boulogne, pour représenter la musique, musique malgache. Je suis malgache, je suis venu de Madagascar. Et Madagascar, c'est dans l'océan Indien et dans le continent africain. Et je vais vous présenter les instruments traditionnels malgaches. J'ai ici trois différents des instruments traditionnels malgaches, mais je vais commencer avec la plus ancienne instrument traditionnel malgache. Voilà, cet instrument s'appelle Valiha. On prononce Vali, mais pour écrire c'est Valiha. Valiha, d'accord. Donc, ça c'est la première Vali, c'est la plus ancienne. C'est les cordes c'est autour et cette corde-là, c'est les fibres de bambou même. C'est-à-dire qu'on a soulevé les cordes et dans les cordes de bambou même. Parce qu'à l'époque, nos ancêtres, ils n'ont pas encore de cordes métalliques. Donc c'est très différent le son. Vous voyez, c'est très différent celui-là. Et la deuxième Vali, voilà celui-ci, qui est plus en plus moderne comme la vie ou quoi. Et les cordes, c'est métallique. Et cette corde-là, ce n'est pas les fibres de bambou, c'est le câble de frein des bicyclettes en arrière qu'on a détaché une par une et ça sonnait très différent. Et c'est un instrument diatonique pour jouer. Le premier accord à droite, c'est le do et tout de suite à gauche, c'est le ré. Oui, voilà, c'est ça le deuxième Vali. Et la troisième Vali, c'est en bois parce que vous savez qu'à Madagascar, Madagascar est très grand. Dans le sud de Madagascar et au nord de Madagascar, nous n'avons pas beaucoup de forêts. Donc les gens de la côte, ils ont fabriqué les Vali en bois. Et ça, on appelle marvan. Marvan. Donc voilà les trois instruments que je joue, quoi. Et moi, je suis fabricant de Vali parce que c'est mon père qui a fabriqué cette Vali. Et sinon, le reste, c'est moi-même qui fabrique et construis mon valet. Merci beaucoup. Grazie.
Maintenant, j'ai fait un morceau qui s'appelle Rambal. C'est une chanson de religion. Religion traditionnelle malgache.
Voilà, ça aussi c'est un instrument traditionnel malgache. On appelle le kabos. Et souvent c'est le gardien des zébus qui joue cette kabos. Les zébus, je crois que vous connaissez, c'est comme les taureaux. Parce que nous, à Madagascar, nous avons beaucoup de zébus. Il n'y avait pas longtemps, on a 11 millions d'habitants à Madagascar. Et nous avons aussi 11 millions de zébus. Donc on est riche avec les zébus. Mais ce n'est pas le cas actuellement parce qu'on a beaucoup de voleurs de zébus, sinon à Madagascar. Et là, je vais jouer un morceau qui s'appelle Bill. C'est une chanson trans dans le sud de Madagascar. Below.
Merci beaucoup. Maintenant, je vais jouer un morceau qui est composé au XVIIIe siècle, qui s'appelle Bitbouk. Le nom des fleuves, de grand fleuve de Madagascar. Et ce fleuve-là, il est toujours jaune. Même l'été, le printemps, l'hiver, il est toujours en couleur jaune. Merci. Merci beaucoup. Et là, avant de dire de mes morceaux, voilà, j'ai un morceau qui s'appelle Zanahar. Zanahar, c'est le grand dieu malgache. Avant que la Bible arrive à Madagascar, les malgaches, ils croient déjà le dieu créateur. Et là, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Zanahar, le nom de Dieu malgache. Thank you.
Merci beaucoup. Là, je termine avec une chanson qui est très connue. Et aussi, je rends hommage à un grand maître de joueur de vali à Madagascar qui s'appelle Rakoutsav. Et c'est mon maître préféré qui s'appelle Rakoutsav. Thank you.
Merci.